jusqu'à samedi midi, j'avais 40 hectares autour de la ferme où éventuellement mes bêtes auraient pu paître, bien que cette année c'est très sec. Mais j'avais fait du stock en prévision. Et là, j'ai plus rien. Au niveau de la superficie, j'ai aucun terrain qui n'est pas impacté. Dimanche matin, quand j'ai vu les dégâts, là j'étais en colère. Dimanche, écœuré. Et plusieurs moments dans la journée où j'ai versé des larmes, et c'est pas dans mes habitudes, parce que j'ai l'habitude de dire que quand on veut exister, il faut avancer. Et hier, un peu en colère, mais là aujourd'hui je suis écœuré. Il n'y a même plus de mots assez forts. Comme me disait un agriculteur collègue qui est venu, il dit, mais on se croirait sur la lune. Alors, quand, je ne sais pas si vous avez vu les parcelles autour de la chapelle là-bas, mais on est sur la lune ici. Il n'y a plus rien. Tout est en cendres. Tout est en cendres, ouais. C'est toute une vie qui part en fumée. Oui, oui, depuis samedi, on a eu une énorme solidarité, autant avec les tonnalisiers, et tonnalisiers des entrepreneurs, des voisins agriculteurs, sur un rayon d'une trentaine de kilomètres, qui sont venus ici de loin, des gens que je ne connaissais pas, qui sont venus, parce que de bouche à oreille, en fait, et la mairie aussi, monsieur Guillas, qui est agriculteur, comme moi, qui a mis tout en œuvre pour que tout se fasse de la meilleure des façons.